Et pas avant d'avoir fait filer. Ah, prince, une grande nouvelle. Il est vexé, d'où? Je dis ça, Camille. Enfin, je veux dire, le bien-aimé repris Camille. Ah bon, mais qui est-ce? Bien, nous avons pas. Comment? Nous voterez le fétiche. Le fétiche coûtait à la fois. Ce n'est pas prédicteur, excellence. Oui, il n'y a pas de choses indélicates. Non, personne ne nous voit. Que dit-il? Allez, filez. Il parle de son amour. Ah, pas évidemment. Un mariage auquel il doit se sacrifier. Que croyez-vous? Je pense au mari, toujours drôle. Je suis sûr que c'est la femme d'un brave, mais si tous nos compatriotes à qui nous serrons la main tous les jours. Allez, je veux voir qui est la dame. Que voyez-vous? Oh! Oh! Ne regardez pas! C'est ma femme! Famille, je trouve. Si j'en avais tant, je ne pouvais pas. Alors, leur excellence du cœur, tous ces instants, c'est toujours drôle. Pas comme Marie, c'est moi. C'est le seul cœur, ce n'est pas drôle. Mais bon, sûr, si monsieur se sent le bras, bien que j'ai mal à guérir. Les 50 millions sont sauvés. Vous ne pas, mais pour la batterie. Pour la batterie, à des limites. Ouvrez, mon excellence. Cela vraiment n'est pas ça. Ma femme n'est pas ici. Voici. J'en vais saluer. Je ne pourrais pas passer. À Camille et Michel, qui ne dit que ce pas. Sachant qu'une autre fois, il y a une fougie. Vous regardez par le ciné. Et tu ne peux que te tâter. Et je l'entends, je ne fais que son amour. Tu me bats toujours, c'était bien bon. C'était moi, pour le genou. Ah, Michel, je jurais que ce n'était pas.
Chaque mot, on a dit là-dessus, c'est le mot. J'ai
Compliment.
Avec monsieur. Oh! Levez!
J'ai compris, il y a le demi-douzaine de symptômes que Mme Palmieri éprouvait pour vous. Ce sentiment fait de haine, de colère, d'exaspération et même de dégoût que nous autres psychologues appelons amour. Votre Excellence, je mets le doigt dans le jusqu'au bout. Elle oublie l'instant du pavillon. Très bien, jeune. Ah, et le rendez-vous donné à M. Coutançon. Gaffe et coïncidence. La surprise, l'aveu. L'ironie est mille. Que je vous aime. Il faudrait être aveugle pour ne pas le comprendre. Songez à notre mission. Songez à la patrie, au pressant besoin d'argent, qui est la plus noble de ses traditions. Pour la sauver, vous n'avez pas un geste à faire. Et quel geste? Je ne l'aime pas. Ah, je ne l'aime pas. Et voilà les femmes que j'aime. Des femmes qu'il me faut. Bébé, regarde de vous. Merci. Oui, le mari doit suivre les femmes. Comment faire pour rester seul avec lui? Célibataire! Pardon? Garçon! Madame! Pouvez-vous trouver un moyen de faire partir tous les gens qui sont ici? Oh, c'est impossible, madame! 1000 francs pour vous si vous faites ainsi. 1000 francs? Fichera! Il en sera fait selon vos ordres, madame! Gérard! Conseiller! 25 louis pour vous si vous faites filer tout le monde. Et son prix. Monsieur, ma photographie en couleur, si vous l'avez fait sauver. Une photographie en couleur? C'est entendu, monsieur. J'ai une idée. Mesdames et messieurs, un peu d'attention, s'il vous plaît. Et je vous invite à vous rendre sur la terrasse où il y a une distribution gratuite d'actions de Paris-Bas. Thank you.
Oui. Prince, je cherche un mot bien senti. Je ne doute pas de le bourdir. Merci. Cependant, après l'incident du pavillon... Mais non, vous faites erreur, monsieur. Madame Pavillon n'est enfermée dans le pavillon que pour se substituer à une autre femme. Une femme mariée. Mais qui est cette femme mariée? Ah, ça, je ne sais pas. Je suis sûr que vous serez bien. Je suis un vieillard. Oh, vous n'êtes pas vieux. Moi, je ne vois plus. La finesse triomphe. Madame Pavillon n'épouse pas. Alors, je me remets sur Léon. Ah, mais j'y suis, mais pas moi. Oui, et Madame Palmieri, qui aurait 12 ans. Je viens de l'apprendre, oui. Madame Palmieri s'est dévouée pour une amie. Par contre, qui est sur cette amie? Et nous le saurons. Non, tu le sauras. Ah, que j'ai chaud. Mais ça n'a aucune importance puisque je vais vendre. Et je vais vendre avec le fameux éventail du papillon. Ah non, j'y tiens trop à cause de ce que votre femme a écrit dessus. Trop tard. Je divorce, je m'épudie, je romps, je brise, je saccage les liens qui nous unissaient par le mariage. J'envoie ma russe, le sort qui nous a mis, je suis libre et je retourne chez ma mère. Oh, madame, je suis divorcé, je suis célibataire, je suis jeune homme, et au nom de la patrie, je vous demande votre main. Soyez ça. Le testament de mon mari veut, et qu'en faisant seconde noce, je perds toute mon fortune. Plus à vous, je suis un galant homme. Dans ces conditions, je ne l'épouse pas. Oui, on en a tout le monde. Ah, si c'est pour dire une cavalière, c'est vrai, mais vous n'avez plus le sou. Je suis toute nue. C'est comme ça que je vais faire. Eh bien, rien, plus rien ne nous sépare. Non. Ah, si, c'est vrai. J'avais promis de jamais vous le dire en français. Oh. I love you. Atlas. Atlas. En pleine géographie. Je n'ai pas fini. Oh, elle n'avait fini. Alors, Prince, vous épousez sans argent. Vraiment, vous n'étiez pas fait pour la diplomatie. Ah, et ça ne fait rien que je sois pauvre parce que lui, il est riche. Ah. Le testament de mon mari feu dit encore que si je perds toute mon fortune, c'est parce qu'elle va à mon nouvel époux. Il a testé ça? Il a. Quel idiot feu! Eh bien, tant pis. La merde est s'éteindre. Nous serons riches. Mais nous serons sûrement très heureux. Oh, dire! Dire que ça recommence! Quant à vous, mesdames! Mais lisez donc ce que j'ai écrit! Hélas, je suis une honnête femme. Oh, Nadia, vous êtes dit. Oh, Nadia! Nadia! Moi, je ne vais pas vous dire en français, mais je vais vous dire en marseillais. Aloyo. C'est amusant. Ah, mon ami, vous êtes un gros bêta. Alors moi, je vais te le dire en français. Mise au grand bien une baisse de boue.
qui était menacé dans sa journée typique à l'occasion de son 22e anniversaire, n'a pas voulu louper la tradition. Elle a organisé la manifestation, surtout de demain, qui est la grande journée des amis d'Alric, mais elle n'a pas voulu, comme je vous l'ai dit il y a un mois dans cette même salle, oublier le spectacle Vermeil. Et c'est grâce aux amis d'Alric que vous avez eu ce spectacle. Je ne voudrais quand même pas quitter cette scène sans remercier tous les acteurs, son directeur artistique, M. Ferrer, son metteur en scène, M. Pouvoir, tous ces artistes que vous avez applaudis et que nous aimons depuis plus de 30 ans. Par votre conséquence, vous avez eu dans les programmes pour ceux qui l'ont acheté, vous avez derrière votre billet un éventuel bulletin d'adhésion. Mais dites-vous bien, plus on est fort, plus on est nombreux, plus on est fort. Incontestablement, si nous avions été plus forts, les vicissitudes qui se sont passées cette année dans le cadre des théâtres municipaux et d'opérables ne se seraient peut-être pas passées. Ceci dit, sans aucune arrière-pensée, je vous souhaite une excellente soirée. Et si demain, vous ne savez pas quoi faire, il reste encore des places pour demain après-midi. Juste, c'est ça, tu as un téléphone.